Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Emeric et aujourd'hui, on se retrouve enfin pour une toute nouvelle vidéo sur le serveur Magic of Disney. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo dessus et il y a beaucoup de choses qui se sont passées sur ce serveur. Donc là, comme vous voyez, vous devez vous demander, mais pourquoi il commence ici? C'est quoi l'objectif de commencer là? Je suis totalement d'accord avec vous. En fait, je commence ici tout simplement parce que il y a une petite modification qui a été faite par rapport au premier épisode. Je me souviens que je m'étais plaint, que c'était un peu vide, qu'il n'y avait pas de fontaine ici. Eh bien, regardez ce qu'ils ont fait depuis. Ils ont fait une petite fontaine. Et imaginez le truc, franchement, je ne sais pas s'ils ont donné un nom à cette fontaine. Mais franchement, voilà. Voilà, ça serait une bonne idée de donner, je sais pas moi, un nom. Par exemple, on imaginez la fontaine, par exemple, je sais pas moi, Loulou Emeric, c'est histoire de faire un petit clin d'œil, ça serait plutôt sympathique. Mais déjà là, qu'ils ont fait cette fontaine, je trouve que c'est plutôt, ça montre en fait que qu'ils m'ont écouté en fait, ou bien que c'était déjà prévu. Bref, mais bon, voilà, c'est super sympa d'avoir rajouté une fontaine. Surtout qu'encore une fois, le staff est super sympa. Regardez, je crois que c'est eux qui viennent de mettre un feu d'artifice là à l'instant. Donc voilà, et comme vous voyez aussi, le décor a changé parce que, eh oui, ils sont passés en mode printemps. Donc franchement, franchement, c'est super bien réussi, Main Street, etc. Il y a aussi, comment, il y a aussi dans, au niveau de l'entrée de la gare, pardon, je ne sais plus m'exprimer, moi ça devient bizarre, de la gare où ça a changé. Donc c'est pour ça que je vais vous inviter à y aller. C'est pour ça que je mettrai l'IP dans la description, parce que je vais vous laisser la petite surprise de l'entrée, qui est aussi très réussie, et le spawn aussi. Et ce qui est super sympa, c'est que dans le spawn, ils ont mis mon skin, donc c'est plutôt sympathique, et je leur remercie. Alors là, dans cet épisode, nous allons découvrir leur Discovery Land. C'était le seul land que nous n'avions pas fait, qui est ouvert et que nous n'avions pas fait. Il y avait aussi Fantasyland, sauf que il y a un petit moment, on a appris qu'ils allaient le refaire entièrement. Donc ça risque d'être... alors ce que j'ai compris, c'est que ça allait être un peu... ils allaient faire comme en vrai, Fantasyland, et il va avoir It's a Small World. Et franchement, c'est une super bonne idée. Ils demandent même... ils disent que les VIP partenaires seront dans cette attraction. Donc j'aimerais, j'ai hâte de voir mon petit buste à moi. Enfin, peut-être Dreamhouse et tout, l'équipe. Voilà, l'équipe qui sera là. Je vais peut-être faire aussi une petite parenthèse vite fait sur mon serveur. Alors, mon serveur étant en ce moment, on prépare l'ouverture. Sauf que voilà, Dreamhouse a démissionné. Donc, il n'est plus directeur, il est guide maintenant. Donc, c'est pour ça que maintenant, si un jour vous connectez, vous le voyez en guide, c'est normal. Hein. Tout simplement, c'est parce qu'il voulait se consacrer à son serveur, chose que je comprends. Donc, comme vous voyez, maintenant, on va revenir sur Magic of Disney parce que on est là pour visiter ce serveur. Mais ne vous inquiétez pas, pour mon serveur, je ferai des vidéos. Donc là, nous sommes au niveau de Buzz Lightyear Laser Blast. Malheureusement, on ne peut pas le faire. Mais il est en construction et je pense qu'il est bien avancé. Hein, je pense. Hein. Il faudra demander à l'équipe. Et là, ce qui est bien, c'est que voilà, on a quand même gardé les bases de Discovery Land. Je ne sais pas s'ils ont marqué quelque chose sur les panneaux. Non, ils n'ont rien marqué sur les panneaux. Normalement, il y a une phrase sur les panneaux. Je ne sais plus c'est quoi comme phrase, mais cette phrase, je trouve, c'est dommage qu'ils ne l'ont pas gardée. Parce que je trouve que c'est une bonne phrase. Malheureusement, Orbitron ne peut pas le faire. Mais Orbitron, pareil, il est très semblable à l'original. En fait, c'est juste les sols qui changent et qui sont, ma foi, je trouve ça, ça rend un style. Voilà, c'est un petit style. Donc là, pareil, on ira après, on ira essayer un peu d'aventurer vers s'il y a un Nautilus, peut-être. Peut-être qu'il y a Nautilus. On va voir s'il y a Nautilus. J'ai pas l'impression d'avoir Nautilus. On ira voir après. Mais là, nous allons aller dans... C'est une limite sur ma chaîne, voilà, je l'ai fait je ne sais pas combien de fois, je ne sais pas combien de versions différentes, c'est énorme. Hyperspace Mountain. Donc, nous allons découvrir la version de Magic of Disney. Par contre, j'ai pensé qu'il faudrait peut-être que je mette mon jukebox. Attendez, je vais le faire juste en live, je suis désolé. Hop. Ou bien c'est musique, je sais plus c'est quoi. C'est slash audio, je crois. Oui. Bon, je le fais en live, je suis désolé, j'ai pas pensé à ça du tout. Donc, oui. Donc, par contre, ouais, il faudrait... Normalement, c'est bon, je crois. On va le mettre à 90%. Ouais, on va le mettre à 80%. Et on va pas être... Ouais, on va pas être non plus énorme. Oui, c'est bon, on est connecté. Donc voilà, c'est un dérivé de jukebox, hein, c'est la même chose. Sauf que j'ai entendu dire que c'était un petit peu mieux, qu'il y avait plus d'amélioration.
Mais donc je l'ai mis pour avoir l'attraction, mais après je le retirerai parce que s'ils mettent des musiques qui sont copyright, je suis pas bien. Voilà. Hop. Bon, c'est... Ouais, ça va être moi. Décoller pour une version épique de notre attraction. Emblématique en rejoignant l'Alliance Rebelle. Nous allons rejoindre l'Alliance Rebelle de ce pas. C'est parti. Par contre, je sais pas si c'est... Ouais, les parasites, ça doit être dans mon casque. J'ai des petits parasites. Nous entrons... Bah, la file d'attente, elle est assez semblable à en vrai. Donc ça, à mon avis, à Hyperspace Mountain, ils ont peut-être fait la version... Ouais, ils ont l'impression qu'ils ont fait la version actuelle, en fait. Et c'est bien. Même si j'ai une petite préférence niveau storyline pour la Space Mountain Mission 2. Mais Hyperspace Mountain est aussi très bien. Voilà. J'ai fait une vidéo aussi avant sur la chaîne Les Dreamers. Ah oui, j'ai fait une petite annonce aussi avant d'entrer dans Hyperspace Mountain. En fait, la chaîne Les Dreamers est... Bah, et ça va, c'est fermé. En gros, il n'y aura plus de vidéos sur cette chaîne. Donc si vous êtes abonné sur la chaîne Les Dreamers, bah, vous pouvez rester abonné. Hein, mais la chaîne sera inactive. Parce que en fait, Dreamers a décidé, encore une fois, de partir. Enfin là, il a tout coupé, ce qu'il avait entrepris avec moi. Bon, bah, après, je vous avoue que j'ai eu un petit peu de mal. Mais bon, voilà, maintenant, vu que c'est fait comme ça, je le comprends. Donc c'est pour ça que c'est lui qui faisait les montages de mes vidéos sur la chaîne Les Dreamers. Et donc maintenant, bah, vu qu'il est parti, il n'y a plus de montage. Et puis vu que c'était une chaîne où on faisait à deux, les Dreamers, c'est pas les maintenant, c'est plus le. Mais ne vous inquiétez pas, je prévois des vidéos de ce style sur ma chaîne principale. Donc voilà, c'était une petite mise au point. Hein, je profite de faire des vidéos sur Magic of Disney là, pendant l'épisode 3. Pour... Tu as eu peur, pas de soucis, sorti. Ah, ça existe ce truc-là? Non, je veux dire, voilà, je profite de cette vidéo pour faire quelques mises au point, surtout que, comme vous pouvez voir là, cette vidéo, elle va sûrement sortir, là je la tourne le 25, mais elle va sortir le 31, je pense, le 30 ou le 31, à voir. C'est pour ça que pendant ce temps-là, c'est pour ça que j'avais plus trop envie de faire des vidéos, j'étais un peu en PLS, quoi. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo pendant 2 semaines. Voilà. Bonne attraction. Non, on n'est pas synchro. Non, pourtant mon ping il est bien. Ah non, il est pas bien. Non, pas du tout même. C'est super bizarre, ouais. C'est bizarre, ouais. Effectivement, on a un énorme décalage avec l'audio. Je sais pas si, à mon avis, c'est un peu à cause de l'audio serveur. Tu as un petit laps de décalage. Surtout en fait qu'au début on était synchronisé.
Et c'est le départ, en fait, je trouve qu'il y a eu un petit peu de décalage. Donc je sais pas si c'est fait exprès. Au départ, je me suis dit, ouais, ça a dû être fait exprès. Mais j'ai vite compris que non, malheureusement. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais couper l'audio serveur au cas où. Hop. Voilà. Donc j'espère que vous aurez apprécié l'attraction malgré ce décalage, qui je trouve est plutôt sympathique. Hein. Elle est bien. Allez, franchement, cette attraction est bien. Même en vrai, quand je disais que je préférais Space Mountain Mission 2, c'est sûr, je préfère un niveau thématique, storyline, niveau aussi par cohérence avec l'extérieur, le design et tout. Mais Hyperspace Mountain a permis de moderniser les effets. C'est sûr. Donc là, nous dirigeons à côté. Alors là, c'est mon coin préféré de Discoveryland. Franchement, c'est un petit coin, mais qui est super beau. Moi, j'adore. Et vous allez peut-être reconnaître pour ceux qui sont un peu ouais, fans de Star Wars, voilà. Et puis qui ont déjà vu le spectacle Jedi Training Academy. Voilà, regardez, c'est le décor de la Jedi Training Academy. Regardez comment c'est super beau, je trouve. Ils ont réussi à bien utiliser l'espace, franchement, donc c'est là où j'ai pris ma miniature hein, pendant ça. Ils ont été sympas, ils m'ont laissé monter sur la scène. Donc, franchement, ouais, c'est super cool. Et voilà, c'est super beau, franchement, voilà, avec des chasseurs TIE, ici il y a des régies, c'est marrant, ici des poteaux de lumière. Donc voilà, encore une fois, c'est super bien géré, c'est super sympa. Là aussi, pareil, il y a un petit décor, un petit vaisseau, je sais pas ce que c'est comme vaisseau, ça par contre. C'est peut-être le vaisseau d'Anakin Skywalker, ou je sais pas. Ça par contre, je ne reconnais pas. Là, c'est pareil, là, c'est fermé. Donc voilà, c'est fermé, c'était pour aller à Fantasyland. Et ici, c'était un truc, c'était pour la soirée, donc c'était du 13 au 25, donc c'était du... Waouh, c'était du 13 à ce soir, quoi, en gros. Donc bon, on est dans la dernière journée de la saison de la Force, hein. Peut-être que quand la vidéo sera sortie, il n'y aura plus tout ça, vous savez. Là, par contre, ce qui est bien, c'est qu'ils ont gardé la scène mythique, mais Adam et Ève, quoi. Franchement, cette scène, elle est super belle à Discoveryland, je trouve. Là, pareil, est-ce qu'on peut entrer dans le j'ai eu peur, mon micro a été coupé. Dans le comment Videopolis, donc oui, c'est Videopolis, c'est Hyperion, ouais, ça doit être Hyperion ou Videopolis. Non, on peut pas entrer. Attention, Videopolis très bientôt. Et là on revient à l'entrée. Alors ce land était assez rapide, mais il est assez détaillé. Je vous inviterai, voilà, si vous regardez cette vidéo mais que le serveur est ouvert, bien sûr, l'IP sera dans la description, c'est en 1.10. Je vous invite, voilà, très fortement à venir sur ce serveur qui, pour moi, en vaut vraiment la peine d'être visité. Parce que, voilà, c'est un serveur Disney custom. Ils se disent custom, donc c'est-à-dire personnalisé. Et c'est ça que j'aime bien aussi sur certains serveurs. Surtout que sur la chaîne, je n'avais pas encore avant des serveurs Disney personnalisés. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va se laisser devant l'enseigne Discoveryland, hein, parce que c'est la base aussi. Sur ce, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, salut à tous et bon début ou fin de journée.